Simone Gron, quand on a 104 ans, qu'on vous trouve ici dans votre EHPAD Saint-François d'Assise à la Croix-Rousse, qu'on reste militante après autant d'années, 90 ans on peut dire, c'est quoi le carburant de cette volonté de s'engager, de faire avec, pour? Je crois que c'était, comment dire, j'en sais rien, ma vie. Je sais pas comment l'exprimer. Quand on en parlait tout à l'heure, tu disais, pendant longtemps on a parlé de la classe ouvrière. Comment ? Pendant longtemps, c'est la classe ouvrière qui m'a motivé un peu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ? De faire ce que je pouvais pour aider les gens en les entraînant à s'engager eux-mêmes. C'est vraiment difficile, ça. Non, mais ça a débuté quand même finalement jeune, parce que tout ça, ça a débuté par la JOC à Lyon. Oui. La Jeunesse ouvrière chrétienne, ça a été une école du militantisme, de l'engagement. Oui, tu as raison de parler pour moi. Mais c'est vrai. C'est vrai. Puis alors, en même temps, au cercle d'études, on avait un passage d'évangile de jour. Alors là, j'ai commencé à pénétrer la vie religieuse. Ben, je suis moins bavard. Non, mais ça fait rien. Mais comment on fait pour avoir toujours la ressource encore pour agir, pour penser aux autres, pour vouloir entreprendre? Ben, tant qu'on vit, on peut faire quelque chose. Alors, à moins quand... peut-être qu'on peut encore d'une autre façon, j'en sais rien. Moi, tout m'aide à vivre tout à l'heure quand tu as parlé de cette fille qui a connu l'Algérie, tout ça. Hop là, moi j'ai tout de suite revu les Parisiens que ça pourrait intéresser. Continuellement, je trouve quelque chose qui m'intéresse pour d'autres. Une grande partie de cet engagement que tu l'as mené aussi avec ton mari. Ah oui, oulala, bien sûr. Vous étiez tous les deux à la JOC, vous avez été tous les deux permanents. Oui. Et tous les deux pleinement d'accord. Je me rappelle, en 30 ans de vie commune, une fois où il a trépigné tellement j'avais énervé. Une fois en 30 ans, quand même, c'est pas trop mal comme réussite.